Une nouvelle fois, on a donc du chlorure d'hydrogène ici, là, à l'intérieur, qui va se dissoudre dans l'eau. Approchez, hein, c'est sympa à voir quand même. Oh, bah alors, restez loin. Ça marche bien. Ah, et, oh là là, c'est magnifique. C'est plus beau que la dernière. Ah, c'est gentil de le dire. Donc, on comprend mieux pourquoi cette expérience s'appelle l'expérience du jet d'eau. Parce que cette fois, on voit bien qu'il y a un petit jet d'eau qui se forme. On a de l'indicateur coloré ici qui était en milieu acide, pardon, basique, qui, à cause de la réaction de HCl avec l'eau, se retrouve en milieu acide. Et donc, on a un changement de couleur. Ça, j'aime bien. On pourrait mettre un poisson rouge, je pense. Ah, il serait mort aussi. Bon. On fait le gros aussi là? Ouais, allez, on est des fous. Hop là. Ah, ça m'a bien plu.